What's up guys, c'est Mixman, on se retrouve pour Jurassic World The Game. Et aujourd'hui, non, ça, on s'en fout, qu'est-ce qu'il vient d'apparaître dans l'autre écran, c'est déjà passé, on va récolter les choses, c'est fini. Parfait, là vous me demandez pourquoi je fais mon évoluer cette chose-là, qui est un ordinateur. Tout simplement pour débarrasser la quête posséder 20 dinosaures de vous 17. C'est en plein production en ce moment. J'en fasse deux autres 10 au niveau 10, mais sauf que j'en ai que des gratuits. J'en avais vu un au niveau 20. On va faire évoluer ces deux-là. Parfait. De l'argent, j'en ai en masse. Je suis sûr, fuck off, on ramasse pas ça. Hop, j'ai accroché ça. Là, il reste 3 jours. Donc, on est. J'enregistre jeudi, ça sort vendredi. Fait que moi, que je vais faire la dernière journée, je vais tourner de toute façon pour les combats. Où je suis rendu, je suis 19e dans la Ligue des Chasseurs. C'est arrivé que j'étais rendu 2e, mais on s'attend, le monde joue beaucoup et ça baisse, ça monte, ça baisse. Et je voudrais genre à la fin être rendu au prédateur, au moins avoir un paquet légendaire parce qu'un paquet extra rare, oui, c'est le fun d'en avoir. Puis le dernier paquet de minage, j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai atteint 2-3 fois en avoir un. J'ai jamais réussi. J'étais pas chanceux non plus avec le Momozar. Donc, ça avance pas. Si vous vous rappelez au dernier épisode, j'avais tout gaspillé mes ADN en ce moment pour faire plein d'hybrides. Pas des hybrides, des dinosaures rares. Parce que je veux faire en sorte que plus tard je veux faire des hybrides, bien sûr. J'avais fait beaucoup de carnosaures. Mais voilà l'affaire, c'est que ces dinosaures-là, c'est, si vous voulez, une banque de dinosaures. Je vous explique, je vais en garder certains pour certains événements, et d'autres, je vais peut-être comme les vendre. Tu sais, c'est 375, mais si t'es monde dans le tapis, oui, ça va coûter l'ADN, mais avec le temps, pour moi, c'est rentable. En temps, si quelqu'un veut, non, je veux ça tout de suite, c'est pas rentable. Donc, c'est tout dépendant de comment vous jouez et tout ça. Bref, on les doit au but, on va faire des captions de combat. Vous étiez nombreux à m'écrire, je sais qu'il y a une fille qui voulait que je fasse des astuces dans mon dernier vidéo de commentaires, dans les commentaires plutôt. Oui, il y en aura, j'ai déjà fait auparavant, donc allez, j'ai un onglet sur ma page Facebook, YouTube plutôt, Jurassic World, puis des fois c'est marqué astuces ou trucs comment avoir de l'argent, bref, il y a plein de trucs, regardez en arrière, regardez mes épisodes, regardez les titres du nom, je vois pas qu'est-ce que je peux vous aider de plus, je vais peut-être refaire une version 2 où que je suis rendu comment faire de l'argent, bref, avant de commencer, je veux juste vous montrer... comment j'ai autant d'argent et de nourriture. Premièrement, j'ai presque pas de dinosaures à monter. Tiens, lui, je le montrerai pas au niveau 10, ça me sert à rien. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais dans l'usine. Je fais plein. Puis moi, je récolte l'argent. Puis dans 4 heures, si j'ai l'usine, je vais en 4 heures. Fait que je vais rembourser. Puis tous les 10 autres dinosaures aussi bâtiments qui me donnent de l'argent. Et c'est demain. Je fais ça. Je ramasse, j'accumule pendant une semaine, je vais faire d'autres nourritures. C'est pour ça que j'ai comme 12 millions de nourriture et presque 30 000. J'avais 30 000, mais là, j'ai tout dépensé. En nourriture. Pas nourriture, mais en argent. Je suis arrivé un jour, je me trompe avec la nourriture et l'argent. Plutôt l'or. Les billets, j'ai un petit peu remonté parce que j'ai joué beaucoup. Puis l'ADN, comme je disais tantôt, j'étais à 300. Il me restait 300 ADN, là, j'étais à 5591. Donc vous voyez comment que je joue. Je joue beaucoup. Beaucoup de monde me demande fais ci, fais ça. T'sais, j'ai une vie en arrière YouTube. T'sais, c'est pas une job. Là. C'est vraiment pour mon plus plaisir que je fais ça. Et j'aime ça de vous montrer certains trucs, des choses que vous savez déjà, peut-être d'autres mondes qui savent pas. Bref, on y va tout de suite, fini le plaquetage. Donc on y va, on fait lui, that's it.
J'espère pas pogner quelqu'un qui peut me fucker ma team. Ça pourrait. À date, je trouve que le monde dans la région où je suis dans l'extra rare, il y a beaucoup de dinosaures très forts. Excusez, je suis en train de bailler. Pourtant, il est 15h52 chez nous ici en ce moment. Non, la même façon, c'est... Je me mets... Je veux juste plus de points. Ok, lui il fait une grosse erreur, il a mis 6 points. Là il me tue 1, ok là je suis désavantagé. Mais c'est pas fini. Niveau 40. Je me fais éclater encore une fois. Là, il est avantagé. Je sais pas quoi faire, fait que je joue mode défense. Bon. Est-ce que je vais m'en sortir avec le stégosaure, le stégoraptor? S'il met 7 dedans, ben je suis foutu. Genre juste regarder 1900. Voilà, un autre défaite lamentable encore. Ça va pas bien avec mes gros dinosaures. C'est tout dépendant comment le monde joue aussi. Des fois quand je joue en off, j'ai pas mal de montée, mais là... Faudrait que je monte des oiseaux contre... Quand je dis des oiseaux, c'est... T'sais, ce genre de... Des pterosaures, ça doit être ça ce mot-là, j'ai la misère. C'est pour ça que je dis oiseau parce que c'est plus sain. Au moins un niveau 20 ou niveau 30 pour que je peux en moins donner une volée aux amphibiennes parce que je suis un peu tanné de battre contre ça. Donc c'est pas évident. On va continuer, on va prendre sexe au niveau 20 et... Là, j'ai un son qui traîne de bugger puis ça m'énerve, j'entends ça dans mes paires d'écouteurs en ce moment. Pour vous à la maison, ça n'aura aucun problème. C'est là que j'ai besoin d'une amphibienne. J'ai déjà pas gagné cette personne-là pour t'arriver. C'est déjà arrivé que j'ai pas gagné des personnes. Je peux rien y faire contre cette team-là, à moins que la personne se plante. Il y a du monde qui dit ben oh moi j'ai tué one shot, mais c'est bravo si vous êtes capable. Si vous êtes au bon niveau, c'est facile. Ben, je passe à l'attaque, je suis un peu tanné, je vais changer mon stratégie. Je pense que tout le monde ils savent comment que je joue ou ils savent. Peut-être que d'autres mondes savent que jouer. Un 7. J'espère que tu vas mettre tous tes jetons comme Ah, même pas! Qu'est-ce que tu fais? Set de défense. Ok, gars. Yeah. Merci. Là, la personne, elle vient de se planter parce que j'ai mis 4 jetons. Fait qu'elle a mis 7 de défense. C'était soit un ou l'autre. Comme vous pouvez le voir. Des fois, tu peux trouver des joueurs qui savent jouer ou qui savent pas jouer ou qui font du n'importe quoi. Donc. À
cause de ça, je veux gagner. Je pensais perdre parce que j'ai un T-Rex au niveau 20, mais c'est pas assez fort. Parfait, on y va. Cette attaque. Ben, je gagne. 3408 de dégâts. Victoire. Continuer. On monte au classement. Ouais, c'est parfait. On s'est pogné un paquet. Ça, c'est le fun. Quel paquet. Ok, lui, il est là. Je veux un paquet! Donne-moi un paquet! Je m'en fous de 900! Oh. Bon, on continue. On est à qui ça de l'épisode? J'irai pas trop loin dans les choix de dinosaures. Mais avant, je vais peut-être prendre lui. Il y a lui de nouveau que j'ai fait. J'ai fait occuper des nouveaux dinosaures que j'ai eu dans les paquets. Ça arrivait que j'ai tombé sur des paquets extra rares et rares pendant. La roulette quand j'ai gagné des matchs. Là, je me fais avoir parce qu'il y a un foutu oiseau. Ça, je dis, un oiseau niveau 30 ça, ou 39 comme lui, là, c'est tellement facile de l'avantager. Donc, je vais prendre le stégosaure. Il n'a pas trop de choix. Là, vous me dites pourquoi je demande des paquets. Tout simplement parce que des fois ils donnent l'ADN, des quêtes qui donnent de l'argent. C'est plus facile la rentabilité que avoir une surprise. J'ai mieux avoir un paquet pour avoir plusieurs surprises. Ok. Fait que quel est ton plan de match? Mettre des coins, tu vas m'attaquer, oui, tu vas peut-être me tuer, c'est garanti. Donc t'en restes deux jetons, fait que je sais pas qu'est-ce que t'as fait avec tes jetons. J'irais pas t'attaquer, t'es en mode défense, je t'aurais pas tué. Parce que je veux prévenir le coup d'avance. Toujours, moi je préviens toujours le coup d'avance. Là il change, ok. J'en mets deux. Mais pour être sûr. Juste pour être sûr, j'ai mis 5. Parce que s'il aurait mis 2 de défense, je l'aurais pas tué, pis là je serais. Tout le monde dit, dans la marde. Là il va me tuer. Il a mis 4 jetons. Ah, j'ai mal joué. J'ai crissement mal joué. Ça, c'est dommage. C'est très dommage. J'aurais dû faire des jetons. Je l'avais tellement. Bref, c'était pas un bon exemple. Puis ça m'énerve que. Non, c'est pas ça. Tiens, on va faire une team Oupi, man. Overpower, man. Je t'ai curé me faire tuer. Je m'en fous de gaspiller de money. Wow! Deux amphibiennes, puis tuer. En plus, il y a le hybride dégueulasse. Ça, j'ai ici. Il fait 302 de dégâts, c'est quoi ça? Il peut me tuer en deux coups, man, ça n'a aucun sens.
une tue en trois coups. En deux coups, puis une tue. Ah, il a mal calculé ça. Ok. Je fais all-in. Je vais tuer les acides amphibiennes. Okay. Je suis vraiment tanné de perdre des affaires pour des une erreur de jeton ou mal calculé comment le joueur jouait. Là, je suis un peu dans la merde. Il y a deux de défense, fait que 2, 4. Je le tue. Et voilà. Phew! Hey, voilà comment que je peux gérer. C'est comme ça que je veux. J'espère pogner d'autres ADM ou des paquets d'argent. Ça serait le fun. Ouais, le 150. Ah, ben 60 ADN, c'est pas trop. C'est correct, c'est acceptable, j'ai besoin d'ADN de toute façon. Je fais-tu un dernier combat avec le temps qu'on a? Je pense pas. Qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai de l'ADN. On va faire un autre petit T-Rex dans deux jours sur Éclos. J'ai encore gaspillé de l'ADN. Mais moi, je vais voir un autre au niveau 30. Fait que deux T-Rex au niveau 30. Est-ce que je le fais au niveau 40? Qu'est-ce que je vais faire? Laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. Si oui, est-ce que je fais un. Si je fais un dinosaure au niveau 40, un T-Rex au niveau 40, ou non, 2-30, comme ça, j'ai plus de chance de faire des combats et tout ça. Bref, écrivez-moi dans les commentaires, et dans, pas lundi, mais vendredi prochain, je décidera qu'est-ce que c'est un lieu avec les votes et tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai gagné une petite coupe de fouille perdue pour des raisons quelconques inutilement avec des jetons. Bref, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme vous dites, pour le choix des dinosaures ici. De vous abonner, c'est gratuit. Partagez le contenu aussi, c'est toujours faire plaisir. C'était MixPeBand et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde.